Bonjour à tous, vous allez suivre la déclaration de la résistance ici en France. Camarades résistantes, ce jour, vendredi 14 août 2020, les organisations de la résistance de la diaspora se sont réunies pour échanger sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Elles ont décidé ce qui suit. Elles appellent à venir massivement à la manifestation qu'elles co-organisent avec les partis politiques et les organisations de la société civile. Demain, 15 août 2020, à Trocadéro, de 14h à 20h. C'est une marche qui aura lieu de Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire. En deux, nous invitons les Ivoiriens dans la diaspora à rester à l'écoute des mots d'ordre qui seront annoncés pour une série d'actions dès la semaine prochaine. Nous soutenons toutes les actions en Côte d'Ivoire des populations qui sont dans les villes, villages et régions qui se sont soulevées et qui se soulèvent contre Dramane Ouattara, ainsi que les actions des partis politiques et de la société civile. Nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin des massacres qui sont en cours en Côte d'Ivoire du fait du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, qui a décidé, malgré les dispositions constitutionnelles, de la violer et de se présenter pour une troisième fois, pour la résistance contre le troisième mandat. Ensemble, nous réussirons ce combat. Vive la Côte d'Ivoire! Vive la Côte d'Ivoire! Vive la Côte d'Ivoire! Vive la Côte d'Ivoire! Vive Laurent Gbagbo! Vive la Côte d'Ivoire! Demain, tous à Trocadéro et après, mouvement vers l'ambassade. Demain, nous appelons tous les Ivoiriens de la diaspora à Trocadéro pour dire non au troisième mandat de Ouattara et demander à Dramane Ouattara de dégager. Dramane Ouattara, dégage! Ouattara, dégage! Ouattara, dégage! Ouattara, dégage! Dégage, voilà. Dégage! Aujourd'hui, demain, après-demain, dégage! La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas, au Burkina. Soyez salués. On vient tout à l'heure définir notre enclave. Voilà. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que demain, on appelle tout le monde. Je dis bien, on appelle tout le monde, parce que l'heure est grave. Donc tout le monde, depuis votre position, déplacez-vous massivement pour qu'ensemble on puisse se retrouver à Trocadéro. C'est une marche à partir de Trocadéro jusqu'à devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Ne restez pas chez vous à la maison. C'est pour ça qu'on a fait la déclaration. Normalement, on ne devait plus rien dire. Mais je suis venu vous appeler encore pour vous dire qu'on s'est réunis et qu'on a échangé sur certains points. Après cette marche du 15, demain, on va mener des actions ici en France pour soutenir nos parents, pour soutenir les patriotes qui sont en Côte d'Ivoire. Donc on est ensemble. On est ensemble. On ne va pas lâcher l'affaire. On est ensemble. Voilà. Toujours ensemble. Pour toujours. Dibé. Chers camarades, chers amis, c'est un message que je vous lance. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Demain, 15 août, dès 13h, envahissons Trocadéro pour une marche jusqu'à l'ambassade. Tout le monde est invité. C'est la Côte d'Ivoire. Venons au secours de la mère patrie. Donc tous à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, une marche. Bonjour à tous. Je vous permets de vous appeler, puisque demain, il y a une très grande marche. Cette marche, elle est très importante, parce que c'est une marche contre le troisième mandat des Dramane. Donc venez tous, soyez nombreux. Elle est très importante. Et comme vous le savez, la politique africaine s'est faite à France ici. Donc, soyez là. Et les Français sauront que les Ivoiriens sont d'accord sur le troisième mandat de Ouattara. Merci. Maman Zekou. Maman Zekou. Et aussi, monsieur. Vas-y, maman. À vous, patriotes, demain, il y a une marche qui se tient de Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire.
vous êtes tous attendus. On dit faut pas Laurent Gbagbo va faire Alassane veut nous imposer le troisième mandat qui n'est pas dans la constitution. Demain vous êtes tous invités, tous à ce que nous lui barrons la route, à ce que nous l'arrêtons pour ne pas qu'il nous emmerde. Laurent Gbagbo veut rentrer en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Résistante, résistant. Merci à vous qui avez suivi ce direct. C'était la déclaration officielle ici de la diaspora. Autant la Côte d'Ivoire est debout, ici nous sommes aussi debout. Nous avons ici en réunion avec qui on a travaillé. Donc demain, rendez-vous à la place du Trocadéro pour la grande manifestation organisée par la résistance. On vient d'avoir une séance de travail ici, on s'est coordonné, on s'est entendu. Vous êtes tous invités. N'ayez pas peur, Lamine Ouattara doit tomber et il tombera. Les mots sont déjà lancés, les camarades sont déjà invités. Voilà. Vous savez, voilà. Vous savez que on, moi là, je ne rate pas quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. S'il acceptait de rentrer dedans, c'est que c'est bon. Voilà. C'est Gbagbo qui rentre. Je n'ai pas rentré dans les détails. Voilà. Mais Laura Gbagbo est dedans. Voilà. Donc il ne vient pas comme ça pour, parce que mon cher, on sait qu'on connaît notre position. On connaît comment on est clair. Mais demain, là, sortez tous. Venez, venons tous. Appelez ces partisans. À, comment on appelle? Le Front Tactico. Oui, le Front Tactico Politique de Côte d'Ivoire. Vous-même, vous savez. Voilà. Nous, là, on est au front tous les jours. Donc, quand on a décidé d'aller demain à Trocadéro pour la marche, c'est parce que nous savons que on a pris notre disposition et voilà. Tout est clair. Et tout est clair. Voilà. Voilà. Donc, tout est clair. Sortez. Sortez massivement. On veut être le fer de lance. Voilà. On veut être le fer de lance. Et va plus que le cœur de Draman Ouattara. Parce que nous le sommes. Voilà. Ivoirien, Ivoirien, que tu sois en Côte d'Ivoire, ou en France, ou en Europe, quel que soit ton lieu, l'heure est grave. Voilà. À partir de demain, commencez à vous lever, à occuper les rues de la Côte d'Ivoire jusqu'à la démission de Draman Ouattara. Tôt, c'est tôt. C'est son top départ qui est enclenché comme ça. Et rien. Rien ne pourra nous arrêter. À demain. Ok. Alors, on est ensemble. Restez tout à l'heure à l'écoute pour mon direct spécial sur ma page. Et puis, que Dieu vous bénisse. Amen. Le combat continue. On est au COI. Merci beaucoup. Je t'envoie ça. On est ensemble. Et puis, demain, prévoyez les bouteilles d'eau, prévoyez les t-shirts, prévoyez les drapeaux, prévoyez tout ce qui est à l'effigie de nos leaders. Prévoyez tout. Parce que c'est Laurent Gbagbo qui est devant. C'est Laurent Gbagbo qui est devant et personne d'autre. Le combat continue, on est ensemble. Celui qui lutte peut gagner comme peut perdre. Mais celui qui ne lutte pas, il perd toujours. N'oubliez pas ça.